cette année, vraiment, ça a été très difficile. Parce qu'avec la crise, les gens, ils ont ressenti ça et ça n'a pas donné comme l'année passée. L'année passée, c'était mieux. Avec la crise, donc, tout a augmenté. Donc, ça a répercuté sur nos marchandises aussi. Et ça a répercuté aussi sur les achats des gens par rapport à leur budget cette année. Ils ont dû augmenter leur budget pour pouvoir satisfaire leurs enfants. Vous-même, vous le constatez, il n'y a plus d'engouement pour les fêtes. Voilà, c'est quand peut-être que vous approchez la ville que vous le sentez. Mais dans les années passées, même quand vous êtes dans les petits quartiers, vous sentez que les gens vraiment préparent la fête. Pourquoi ça ne marche pas? On a tous les marchandises, mais ça ne paye pas. Hein. Les clients là, viennent payer, ils regardent seulement, ils ne payent pas. Ça nous décourage, quoi. Voilà. Nous, on n'est pas content. Hein. À cette année-là, on n'est pas content. Les clients préfèrent s'approvisionner chez les vendeurs ambulants. Pourtant, nous cherchons 50 ou 100. Le prix est abordable, ça dépend des vendeurs. Mais vraiment, le prix est abordable, mais certains, c'est trop cher. Peut-être les gens attendent juste le 29 ou 30. Dernière minute. Sinon, avant la 7h. Non. Le client préfère s'approvisionner chez les vendeurs ambulants. Pourtant, nous cherchons 50 ou 100 francs de bénéfice sur chaque poulet vendu. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'avec la cherté de la vie qui va crescendo, il y a certaines choses qu'on a peut-être fait l'année passée et qu'on ne pouvait pas se permettre cette année. Je suis venue payer des décorations pour la fête, des ustensiles, des couverts de table et puis des nappes. Je trouve que c'est normal compte tenu du fait qu'eux aussi ils ont trop rehaussé les prix. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à la portée de toute personne, de toutes les bourses, donc c'est vraiment compliqué. Les gens sont sortis pour essayer de s'acquérir des choses, mais à cause des prix, ils étaient obligés de renoncer. Donc pour moi, si ces commerçants-là même peuvent essayer de voir, un peu diminuer un peu leurs bénéfices. Moi particulièrement, d'aller passer en tout cas, j'ai mieux fêté. Vous voyez, cette année, bon, il n'y avait pas trop d'argent, quoi. Il n'y avait pas d'argent. Par rapport à l'année passée, on a mieux fêté. Le pays, comme on dit, le pays, il était un peu sec. Deux jours, là.